Et yo les gamins, les gameuses, c'est Boubios de retour sur Destiny pour un petit top 3 des 3 nouvelles armes exotiques. Donc je les ai lootées, hein, je les ai au maximum. Donc je vais vous faire un petit top 3. Là au passage, vous voyez mes 3 personnages full stuff. Donc on va commencer, Osiris bien sûr, on va commencer par le gun. Le numéro 3, hein. On va commencer par la plus petite arme. Donc ce gun s'appelle Promesse du Rebut. Donc dans ses compétences, il n'y a pas grand chose de terrible. Hein. Moi perso, ce gun là, je le déteste. Ils auraient dû le mettre en abyssal, ça aurait fait un petit plus. Peut-être que j'aurais un peu plus apprécié. Car sur les 3 armes, ils nous ont mis 2 armes cryoélectriques et une arme solaire. Donc ce petit gun, certes, tire à rafale, mais la portée n'est pas terrible. Hein. Quoique là, ça démontre un peu le contraire, mais il faut vraiment bien viser avec ces guns. Le mode de rechargement fait penser vraiment au pistolet laser sur Black Ops. Je sais pas si vous connaissez le mode zombie sur Black Ops. Ce gun a vraiment un petit air à pistolet laser de Black Ops. Donc, nombre de balles, pas beaucoup de munitions en fait dans cette arme. Je pense que c'est d'ailleurs un petit truc qui m'énerve assez rapidement sur ce gun. Peut-être même contre les chevaliers, j'ai testé un peu en prison des vétérans. Ça enlève pas autant de... En fait, le temps que vous videz votre chargeur, ça n'aura pas tué un chevalier. Un capitaine. Chaque fois je dis chevalier, mais c'est un capitaine. Les capitaines, cryo. C'est vraiment pas une très très bonne arme. Dans les compétences, vous avez aussi de quoi monter un petit peu les munitions. Mais si vous montez les munitions, il y a quelque chose qui descend. Je sais plus si c'est la portée ou la stabilité. Moi, j'essaie vraiment de privilégier ça sur les armes. Donc voilà hein, pour ce petit gun, donc un peu de gameplay. Après on passera sur une autre arme. Donc là il me reste pas grand chose en balle. Ça descend vraiment très vite. Comparé aux deux autres armes, vous allez voir hein, le nombre de munitions qu'on peut avoir dans cette arme-là. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des équipements qui vous permettent de mettre un peu plus de munitions dans les armes secondaires, dans les compétences de vos armures. La plupart du temps, je pense que c'est. Ça peut être un peu partout, hein, ça peut être dans le torse. Je crois que la plupart du temps, ouais, c'est dans le torse où on voit un peu ça. Et il peut y en avoir aussi dans les bras, les jambes, la tête, peut-être aussi. Ah, voilà, on va passer au numéro 2, l'arc du pargeur. Ce sniper, ouais, franchement, moi je le kiffe. Cryo-électrique, contre les capitaines, ça va, il leur fait vraiment assez mal. Vous avez les deux viseurs, que vous voyez là, à l'image. Sur les deux viseurs, moi je vous conseille franchement celui-là de droite, car vous aurez plus de portée, vous ferez beaucoup... de dégâts. L'autre viseur, beaucoup moins de dégâts. Hein. Donc franchement, je vous conseille de garder le premier viseur. Vous perdrez des dégâts et de l'impact. Donc, ce sniper pour moi, number 2, vraiment, vraiment très bon. En PVP, la prochaine vidéo que je vous ferai, les amis, ce sera une vidéo en PVP. Je vais vous montrer un peu ces trois armes-là, le top 3 des armes exotiques en PVP. Donc là, c'est en PVE hein, qu'on est. Donc je ne sais pas si le top 3 que je mettrai, je vais d'abord tester un peu tout. J'ai déjà testé le pompe et le snipe en PVP, mais j'ai pas testé le gun. Peut-être que le gun me réserve des surprises en PVP, hein, on verra. Mais franchement, j'en doute fort. Bon, pour les très très bons snipers, hein, j'ai vu déjà que en Osiris, il y en a qui géraient très très bien ce sniper. Alors, il a petit fake de la part de Boubios. En mode handicapé, j'arrive pas à monter... Allez, on va s'y reprendre plusieurs fois. Allez, je vais y arriver. Oui, je suis arrivé. J'aime bien me caler ici, moi, pour cette mission-là. Au calme, au snipe. Et on fait le ménage. Donc, ouais, comme je disais, en Osiris, hein, j'en ai vu qui gérait vraiment à fond avec ce sniper-là. Moyen de faire du one-shot, surtout avec l'acquisition de cible. Il faut vraiment l'avoir amélioré à fond. Mes trois armes, hein, à savoir, mes trois armes sont à fond. Tac. Voilà, ça c'est fait. Bon là, j'ai mis un petit peu de temps à le tuer, hein, savoir qu'ils sont en feu. Le cri électrique, c'est pas trop ce qu'il leur faut. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous parler en attendant hein, de ce petit gameplay? Bon, déjà, j'aimerais faire une petite dédicace à tous mes potos youtubeurs. Tous ceux qui sont dans mon entourage. Donc, on va commencer par le plus récent, c'est Zizion Folie qui vient de rentrer dans la Kills. Je sais pas si vous le connaissez, il avait déjà une ancienne chaîne YouTube. Il m'en a parlé hein, du nom de son ancienne chaîne, mais j'ai pas retenu. Désolé mon Zizi. Donc nous avons Zizi en folie qui vient d'entrer dans la Kills. Nous avons Snow,
qui est arrivé il y a 2 jours sur PlayStation 4. Il en a pris plein les yeux. Il a tellement apprécié la PlayStation 4 que tout ce week-end il a geeké comme un gros porc. Ouais, ça lui fait plaisir. De toute façon, le contraire m'aurait étonné. Passer de PlayStation 3 à PlayStation 4, fallait s'en douter. Après, on continue avec le poteau Rambo la frite, avec lequel je m'entends. Je m'entends tous avec super bien. Hein. Zizi, bon, c'est encore tout jeune. Snow, première, franchement, on a super bien accroché. Lui-même, il a super bien accroché, il l'a dit dans une de ses vidéos assez récentes. Franchement, ça fait plaisir. Ce que j'adore aussi dans la communauté, hein, c'est l'entente des youtubeurs français. On se crache pas dessus, on est tous là en train de s'aider, jouer ensemble, on passe de très bons moments. Et franchement, ça fait plaisir de voir des gens avec une mentalité comme ça. J'étais à Rambo la frite. Petite dédicace aussi à Jack Jando. Malheureusement, je le vois pas autant que je voudrais. C'est un petit peu un loup solitaire, hein, Jack Jando, à savoir les amis. Je m'entends super bien aussi avec, hein, on a pas mal de points en commun. Prochaine dédicace à Mergin qui est venu faire un petit coucou, pareil, hein. Lui aussi je le vois pas souvent, pareil, un petit loup solitaire, puis bon, il a sa petite team à côté, Mergin avec laquelle je m'entends super bien, d'ailleurs je pense que la prochaine vidéo ce sera avec lui, hein, encore sur Skolas, sur mes vidéos YouTubeurs. Là, vous pouvez voir là, le snipe sur lui, ça lui fait très très mal quand même. Les dégâts sont assez monstrueux. Petite dédicace à Bishop, youtubeur aussi, que je ne connais pas encore vraiment. Je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de jouer avec. Bon, ça viendra. Hein. Et on va terminer par bah, la Zombie Factory, hein, qui, au moment même où je fais ma vidéo, vont récupérer leurs clés pour leur prochain appartement. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on n'a pas trop de nouvelles d'eux. Mais ça va se faire au calme, hein. Ils vont ménager, leur internet va t'arriver. Le temps, on va leur laisser le temps de s'installer, puis bah, très prochainement, hein, sinon essayez de bien les suivre, hein, sur Twitter, vous verrez ce qu'ils font. Et dans peut-être 2-3 jours, ou ouais, entre 2-3 jours et une semaine maximum, hein, vous verrez de leurs nouvelles en live. Je sais qu'ils essayent de faire le maximum pour vous envoyer quelques vidéos, mais c'est vraiment pas facile, hein, lors d'un emménagement. C'est pas facile du tout. Ils essaient de faire leur petit cocon. Donc voilà, mon arme que je kiffe, numéro 1, c'est le Seigneur des Loups. Ce pompe est juste... c'est une dinguerie. Franchement, ce pompe-là, le Seigneur des Loups, c'est une dinguerie. Une compétence que je kiffe, c'est la dernière. Qui permet, en fait, quand vous faites des dégâts... vous venez de tuer un ennemi, en fait. Si vous avez vos collègues qui sont à côté de vous et qui sont en train de morfler, en train de prendre des dégâts... Bah, la compétence du fusil à pompe leur permet de récupérer de la vie plus rapidement pendant quelques secondes, on va dire 20-30 secondes, je sais plus c'est quoi vraiment le time. Mais juste voilà, constater. En PvP, je sais qu'il défonce sa mère. Bah, face par contre à un mensonge ou un matador, on ne fait pas le poids. Malheureusement, ces deux armes overcheatées seront pas encore dépassées. Mais je classerais bien ce petit troisième pompe en troisième au niveau du PvP. Après, je verrai ça. Hein. De toute façon, je vous ferai voir tout ça dans la prochaine vidéo, hein. Ce sera les top 3 en PvP. Je pense que je vais faire quand même plusieurs games et puis garder le meilleur, vous montrer un peu, puis je vous donnerai mes points de vue et tout et tout. Donc voilà, hein, ça c'était mon top 3 des armes. Donc on recommence. Le nom des armes, je les connais vraiment pas tous. Donc en top 3, hein, c'est Promesse des Rebuts, le petit gun cryo-électrique. Comme je vous le disais, j'aurais préféré largement qu'ils le mettent en abyssal. Ça aurait été sympa d'avoir une arme de chaque catégorie. En number 2, l'arc des parjures. Très très bon sniper. Pour ceux qui savent sniper, franchement, il est excellent. Et avec l'acquisition de cible, hein, surtout. Premier viseur, retenez bien. Premier viseur et acquisition de cible. C'est vraiment deux très très bons atouts. Et le Seigneur des Loups, number 1. Ce pompe est juste overcheaté. Donc les amis, je vais vous laisser sur cette fin de gameplay. Coup de téléphone, je suis désolé. Et je vous dis ciao ciao tout le monde, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ciao ciao, bye, peace et bonne fin de vidéo. Ciao ciao tout le monde.